Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4, la métaphysique, notre idéal. Tant qu'il existera sur la terre des lois et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère occasionnant une damnation sociale, le message de la nature de ceux que nous développons à l'ISEP resteront toujours utiles. Vous êtes dotés d'un pouvoir prodigieux. Vous avez beau empêcher la vérité d'éclater, quand il est l'heure, cette vérité éclatera. Voilà déjà deux messages. Il y a d'autres messages. Et j'énonce tout de suite que l'émancipation de l'homme est l'œuvre de l'homme lui-même. Vous pouvez tout transformer en vous. C'est vous qui allez orienter vos idées. Ne laissez pas votre destin dans les mains de ceux qui vous tuent. Apprenez donc à connaître le rythme de l'histoire. Ce sont des messages. Et il y a d'autres messages. Et tant que, comme je l'ai dit, il va exister sur la terre des lois et des mœurs qui créent artificiellement des enfers. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y en a qui vivent comme des damnés de la terre. Comme si eux, ils sont condamnés à ne vivre que dans la pauvreté, à ne vivre que dans la souffrance. Mais pourquoi? Parce que, simplement, il existe des lois qui les y obligent. Il existe des mœurs qui les y contraignent. Ensuite, sur la terre aujourd'hui, vous savez, ceux qui sont ignorants sont plus nombreux que ceux qui sont connaissants. Et ensuite, la misère. Quand nous parlons de misère, ça veut dire c'est de l'indigence. Tout ça, tant que ça va exister et couvrir la surface du globe, nous disons que les messages que nous développons à l'ISEP, ces messages resteront toujours utiles. Je m'étonne que les hommes pensent qu'ils n'ont pas d'ennemis. Non, nous avons des ennemis. Il ne faut même pas avoir honte d'en parler. Quand certains se lèvent, et d'ailleurs, et souvent, les petits groupes se lèvent pour dire qu'ils vont exterminer toute une race, ou alors diminuer, par exemple, la population, puis la population globale de la Terre. Mais vous ne voyez pas. C'est vos amis, ça. Je dis, il ne faut même pas avoir honte de le dire. Il ne faut même pas avoir de complexe de le dire. Parce que celui, en fait, qui fait cette option, mais comment vous allez continuer de laisser votre destin dans sa main? Parce qu'il a fait l'option de vous tuer. Alors, quand les hommes se trouvent isolés des initiés, alors se révèlent leurs faiblesses, qui ont pour nom hétérogénéité, insuffisance de culture, manque d'horizon, fatigués, déçus, ils s'affaissent, perdent la foi en eux-mêmes, et laissent leur destin dans les mains de ceux qui les tuent à petit feu. C'est pour ça que nous nous disons, mettons-nous ensemble. Et ensemble autour de ceux qui sont de véritables initiés. Je parle d'initiés, parce que moi-même j'en suis un. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous trouverez la force, l'énergie d'aller de l'avant. Tant qu'il existera sur la terre des lois et des mœurs qui créent artificiellement des enfers,
tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, occasionnant une damnation sociale. Le message de la nature de ceux que nous développons à l'ISEP resteront toujours utiles. Vous êtes dotés d'un pouvoir prodigieux. Vous avez beau empêcher la vérité d'éclater, quand il est l'heure, cette vérité éclatera. Voilà déjà deux messages. Il y a d'autres messages. Et j'énonce tout de suite que l'émancipation de l'homme est l'œuvre de l'homme lui-même. Vous pouvez tout transformer en vous. C'est vous qui allez orienter vos idées. Ne laissez pas votre destin dans les mains de ceux qui vous tuent. Apprenez donc à connaître le rythme de l'histoire. Ce sont des messages. Et il y a d'autres messages. Et tant que, comme je l'ai dit, il va exister sur la terre des lois et des mœurs qui créent artificiellement des enfers. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y en a qui vivent comme des damnés de la terre. Comme si eux, ils sont condamnés à ne vivre que dans la pauvreté, à ne vivre que dans la souffrance. Mais pourquoi? Parce que simplement, il existe des lois qui les y obligent. Il existe des mœurs qui les y contraignent. Ensuite, sur la terre aujourd'hui, vous savez, ceux qui sont ignorants sont plus nombreux que ceux qui sont connaissants. Et ensuite, la misère. Quand nous parlons de misère, ça veut dire c'est de l'indigence. Tout ça, tant que ça va exister et couvrir la surface donc, du globe, nous disons que les messages que nous nous développons à l'ISEP, ces messages resteront toujours utiles. Je m'étonne que les hommes pensent qu'ils n'ont pas d'ennemis. Non, nous avons des ennemis. Il ne faut même pas avoir honte d'en parler. Quand certains se lèvent, et d'ailleurs, et souvent, les petits groupes se lèvent pour dire qu'ils vont exterminer toute une race. Ou alors diminuer, par exemple, la population. Qui la population globale de la Terre. Mais vous ne voyez pas. C'est vos amis, ça. Je dis, il ne faut même pas avoir honte de le dire. Il ne faut même pas avoir de complexe de le dire. Parce que celui, en fait, qui fait cette option, mais comment vous allez continuer de laisser votre destin dans sa main? Parce qu'il a fait l'option de vous tuer. Alors, quand les hommes se trouvent isolés des initiés, alors se révèlent leurs faiblesses, qui ont pour nom hétérogénéité, insuffisance de culture, manque d'horizon, fatigués, déçus, ils s'affaissent, perdent la foi en eux-mêmes, et laissent leur destin dans les mains de ceux qui les tuent à petit feu. C'est pour ça que nous nous disons, mettons-nous ensemble. Et ensemble autour de ceux qui sont de véritables initiés. Je parle d'initiés, parce que moi-même j'en suis un. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous trouverez la force et l'énergie d'aller de l'avant. Le maître a dit. Le Maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du Maître. Le Maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le Maître a dit au cours d'une émission passée. Le Maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du Maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4, la métaphysique, notre idéal.